Je baragouine peut-être ma langue, mais là, je te parle avec mon cœur. Vincent, fabriquer l'ombre. Est-ce que c'est vrai que tu l'as fabriqué? J'aspire, en fait, au travers de mes chansons, à fabriquer quelque chose. Et je trouvais ça très beau, fabriquer l'ombre. L'inspiration de ça, ça vient d'un roman québécois. Faut que ce soit plus que l'habitude. Quand j'ai choisi le titre, c'est comme si les choses se sont mises en place après. Je dis, OK, ça va être telle chanson qui va commencer, telle chanson qui va finir, puis au travers, il va se passer à peu près ça. Fabriquer l'aube, c'est le commencement de quelque chose. Donc, c'est un monde de possibles qui s'ouvre à nous, face à une journée, ou face à une année, ou face à une vie, là, au grand complet. L'amour, c'est pas pour les peureux, j'en ai vu virer fou. Grand-père travaillait à pelle pis à pioche au fond du pit de la mine d'asbestos. Vincent, sur l'album, il y a une chanson toute spéciale que tu dédies à tes grands-pères. Ouais. C'est la chanson Asbestos que je dédie à mes grands-mères. Moi, mes deux grands-pères ont fait la grève de 49. Mais dans l'écriture de cette chanson-là, j'avais envie de parler de mes grands-mères parce que c'est elles, pendant que les hommes faisaient la grève, c'est elles qui tenaient le fort à la maison, qui ont été obligées d'acheter à crédit, qui ont été obligées d'habiller leurs enfants en rapportant du linge à gauche, à droite. Et je trouve que trop souvent, ces femmes-là sont oubliées quand on raconte l'histoire. T'sais. Nos vies durent comme la roche qui met l'argent dans nos poches. Asbestos. C'était ma façon à moi de leur dire que je les aimais puis que je les oubliais pas. Vincent, ton bilan des 15 dernières années? J'ai eu cette grande chance-là de faire mes premiers pas dans le métier tôt. C'est un métier qui m'oblige à me redéfinir systématiquement, à me questionner, à m'intéresser à ce qui se passe autour de moi. Plus j'avance, plus je sens que cette route-là, que je me bûche à coup d'album puis de spectacle, c'est une route qui me ressemble. Il y a d'ailleurs une chanson sur Fabriquer l'ombre qui s'appelle Je bûche. Oui, tout à fait. Ben moi, je me sens comme ça quand j'écris souvent. Je suis un peu un bûcheron. J'ai plusieurs oncles qui ont travaillé dans des manufactures et qui ont travaillé de leurs mains. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui gagnent leur vie de leurs mains. Et je pense que depuis longtemps, ça se ressent dans les chansons que j'écris.